Bonjour, alors hier soir, Cyril Hanouna rigolait des unes et des ce qu'il appelle les putaclics sur son nom. Donc voilà, il parlait des bandeaux, etc. Il s'en est même amusé en faisant des petites parodies, bon, voilà, qui pouvaient amuser les gens. Bon, jusque-là, donc, il sait très bien que quelque part, même moi je le reconnais. De toute façon, bon, j'ai pas attendu que Cyril Hanouna en parle pour le faire. Ça fait plusieurs années que je parle de TPMP en bien ou en mal. Et puis, donc, hier, il est parti sur la corrida. Bon, j'en ai fait une vidéo hier soir, et puis bon, il invite donc Solveig à Lyon, et puis un torero. Donc bon, ben voilà, lui il explique son truc. Bon, j'en ai parlé hier, et puis elle vient faire son happening. Le gros problème qu'il y a eu hier, c'est que bon, ben, on se demande, parce que bon, beaucoup de gens ont critiqué la venue de cette nana qui a foutu tout en l'air. Mais le pire dans l'histoire, c'est que pourquoi il a invité elle? Il savait très bien qu'il allait faire un bad buzz avec elle. Pourquoi il n'a pas invité Émeric Caron? Ah oui, c'est vrai, c'est la France insoumise. Et il aurait pu inviter quelqu'un de la SPA, n'importe quoi. Non, non, il a voulu inviter Solveig. Pourquoi? Parce qu'elle faisait un buzz. Donc après, ce qui m'a fait rire, c'est que, eh bien, il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'elle a parlé encore de Bolloré. Donc là, il était encore mal. Il est devenu tout vert d'un seul coup. Et puis bon, bah, ça a continué. Le torero en a eu marre. Il s'est cassé. Beaucoup de gens aussi sur Internet aussi. Voilà. Et puis, bon, comme vous pouvez voir les audiences, eh bien, quotidien abattu TPMP. Donc voilà. Donc quand on fait des choses pas bien, eh bien, ça se paye. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.